On peut être expert dans un domaine sans savoir comment transmettre ses connaissances au public. Or, quand on est une entreprise, ce public, en fait, ce sont les clients potentiels qui pourraient être intéressés par une solution qu'on développe, mais qui, bah, par définition, n'ont pas les, les mêmes connaissances que nous. Et donc, moi, je me vois comme faisant le pont euh, entre les experts, au sens très large, et le public, ou plus précisément leur cible. Et c'est un pont que j'imagine fait de mots, puisque ce que je propose, ce sont des stratégies de contenu à base de texte qui soient à la fois riches et compréhensibles. Donc j'interviens sur tout type de contenu écrit. J'aime beaucoup le format article, donc j'en fais pas mal, des articles de, de blog ou aussi des articles pour des pour des médias, du contenu statique pour du site web, des communiqués de presse, des déroulés de podcasts. Euh, des tutoriels, voilà. Tant qu'il y a de l'écrit, euh, j'estime que je peux intervenir. Et je travaille principalement euh, avec les équipes marketing, parce que voilà, c'est elles qui ont besoin de produire beaucoup de contenu. C'est aussi souvent elles qui ne sont pas <laughs> les plus, on va dire, fournies euh, dans les entreprises tech. Donc euh, ça peut leur faire gagner beaucoup de temps, enfin il y a un côté pratique. Euh, de déléguer une partie de la production de contenu euh, à un freelance où c'est vraiment l'expertise le, euh, et qui en plus de vous faire gagner du temps peut permettre de prendre de la hauteur puisque voilà, bah, c'est un regard extérieur. Des choses que je ne m'attendais pas forcément euh, en, en me lançant, c'est que alors que vraiment la grande majorité de mes, mes clients sont francophones, j'écris beaucoup en anglais. Euh, et je pense qu'il y a une vraie demande de la part des entreprises et des startups françaises qui ont, voilà, leurs équipes en français, communiquent en interne en français, mais qui ont une stratégie de communication en anglais. Et je pense que ça les rassure d'avoir quelqu'un qui est bilingue et avec qui ils peuvent échanger dans les, dans les deux langues. Je ne me limite pas à la production de contenu, même si c'est vraiment quelque chose que, que j'aime faire. Et je pense qu'il y a toujours de la stratégie, même quand on crée quelque chose. C'est pas juste de, de l'exécution. Il faut toujours de la, de la créativité. Mais j'aime aussi intervenir en amont et faire de la stratégie éditoriale. Donc ça, c'est vraiment au cas par cas pour chaque client. Ça va être, voilà, ça commence par définir quel est le message pour quelle cible, quel mots on utilise, quel vocabulaire, quel tone of voice, et ensuite de plus en plus pratique, quel médium, quelle fréquence de publication, etc. Je m'appelle René Zachariou et je suis plume freelance spécialisée dans les sujets tech. J'ai commencé mon activité d'indépendante il y a un an et demi et j'ai déjà travaillé avec une vingtaine de clients de la start-up au grand groupe en passant par le média et même l'entrepreneur individuel ou l'étudiant. Je compte pas le nombre de mots ou de phrases que j'ai écrit parce que voilà, je pense que ça 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 chiffrerait euh, trop trop haut. Avant d'être freelance, mon dernier poste classique était chez Google dans une équipe qui s'appelle Google Arts and Culture. Donc j'étais en charge des projets en France, donc de la stratégie éditoriale à la production digitale. Et encore avant ça, j'étais administratrice pour un artiste plasticien et chargée de communication pour un festival d'innovation qui s'appelait Future En Scène. Alors le, le contenu écrit n'a vraiment pas dit son, son dernier mot. Déjà parce que même sur les réseaux sociaux et sur les vidéos en général, les choses sont écrites. Avant, c'est rarement de, de l'improvisation, malgré ce qu'on veut nous faire croire. Et ensuite, bon, pour revenir à l'écrit qu'on lit, je pense que c'est un format qui est intéressant, surtout dans le fait que ça laisse le temps. Voilà, là, on parlait des réseaux sociaux où tout va très vite. Moi, je me concentre surtout sur des textes plutôt longs, euh, qu'ensuite on, on peut développer pour les réseaux sociaux, on ayant une phrase d'accroche, etc. Mais qui laisse le temps de déployer ses idées de déployer ses argumentaires et donc aussi de montrer son, son expertise. Et ensuite, le contenu écrit, euh, que ce soit sur du site ou, ou sur du print, c'est ce qu'on appelle du contenu froid. Donc c'est du contenu qui reste, il n'y a pas vocation à disparaître, contrairement aux réseaux sociaux qui est du contenu chaud, donc qui, qui tourne tout le temps. Euh, donc c'est du contenu sur lequel on peut capitaliser. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'adapter à l'actualité ou réagir euh, un peu rapidement, mais c'est du contenu qui reste. Et qui peut être utile, bah, aussi bien pour les équipes marketing, euh, si on a une stratégie euh, de blog euh, SEO, que même pour les équipes commerciales, puisque, voilà, un article peut être, ou un livre blanc peut être un point de départ pour une conversation. En effet, même si j'ai une expérience dans, dans la tech, que je suis passée par des startups et par euh, Google, et c'est le secteur que je suis de, depuis un moment, c'est pas celui auquel je me limite. Et même la tech, euh, c'est très vaste, hein, puisque ça englobe aussi bien les cryptos que des logiciels euh, SaaS, euh, voilà, que beaucoup, beaucoup de choses. Euh, et donc, moi, mon approche, c'est de justement de ne pas me présenter comme une experte d'un sujet, mais comme une experte d'une méthodologie, comme une experte en, en narration et en storytelling. Et donc, j'ai une méthodologie euh, assez simple, mais que, qui fonctionne bien d'après les, les retours de, de mes clients. On se fait un point de, de, de kick-off, voilà, fixer les attentes, avoir un, un brief, se mettre, mettre d'accord, parce que c'est aussi important de, de cadrer euh, quand on fait des, des livrables. Ensuite, en fonction de ça, je, je rends une, une V1 on re-échange et ensuite je fais une V2. Et pour moi, c'est important d'avoir ce côté V1, V2, parce que l'idée, pour moi, c'est de parler dans la voix du client, de vraiment de me, de me fondre dans, dans son univers et donc de proposer quelque chose qui lui ressemble. Les retours que m'avait fait une cliente, euh, qui j'avais trouvé très positif, elle était très enthousiaste, elle me disait « ça me ressemble, quand je te lis, ça me ressemble ». Pour moi, c'est le, le, le meilleur retour qu'on qu puisse me faire. L'idée, c'est quand même évidemment aussi de faire des propositions euh, par exemple, voilà, si on propose un plan, je pense qu'il y a une, un fil narratif qui serait qui serait mieux. Évidemment, j'ai un point de vue et je suis aussi là pour euh, pour l'apporter. Et une des choses que j'essaye aussi de pousser auprès de mes clients, c'est de ne pas avoir peur d'utiliser un ton un peu décalé ou un peu original, euh, même si on est dans l'industrie tech, même si on est dans quelque chose de très sérieux euh, comme produit. Euh, moi, c'est voilà, une de mes convictions. Euh, que ça peut être un vrai avantage comparatif d'avoir un ton, soit avec un petit peu d'humour, soit juste avec des angles ou avec des mots euh, bien choisis et un peu surprenants. Donc ma mission de cœur, ça serait soit d'accompagner une jeune start-up dans la création de sa stratégie éditoriale avant que l'équipe marketing ne soit créée pour prendre le relais, soit de collaborer avec une équipe dans une structure plus installée afin de les aider à rendre un contenu sec plus attrayant.